Bonjour à tous, Sébastien de chez GoAutoRadio. Donc aujourd'hui, on va faire un test de l'un de nos produits, donc sur ce modèle qui est destiné aux Audi TT, aux Audi A3, donc sur une version Android. Voilà, donc juste un petit déballage déjà des accessoires. Vous recevrez les câbles USB pour pouvoir brancher des clés USB, voire même un petit dongle 3G. Vous recevrez aussi toutes ces connectiques-là qui permettent de brancher des amplificateurs si vous en avez. Évidemment, la connectique ISO d'origine pour pouvoir brancher l'autoradio et aussi la prise FACRA. Donc vous aurez les deux adaptateurs en fonction du modèle que vous avez. On fournit les deux. Vous aurez l'antenne GPS qui est juste à glisser derrière l'autoradio. Évidemment, on vous fournit aussi les petites tiges pour pouvoir retirer l'ancienne autoradio facilement. Vous avez aussi bien sûr les adaptateurs pour la radio, l'antenne radio, avec donc l'autre côté, un adaptateur pour pouvoir brancher votre prise auxiliaire et le CAN bus qui permet de faire la récupération de toutes vos commandes au volant. Voilà, donc maintenant on va passer un petit peu sur le produit. Donc le produit, on est sur un écran HD avec un processeur 4 coeurs, 2 Go de RAM pour permettre au produit de fonctionner de manière le plus fluide possible. Vous avez donc une partie bouton, un lecteur DVD, CD. Vous avez un lecteur de carte mémoire en façade, où vous pouvez mettre directement vos cartes mémoire en plus de votre connectique USB et en plus du CD-DVD et évidemment la connectique Bluetooth. Donc quelques fonctions, je vais commencer par les plus basiques, hein, qui sont comme par exemple la radio, où vous allez avoir 6 positions de mémorisation avec la radio RDS évidemment, hein, où vous avez la reconnaissance des stations. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus. Vous avez la partie phone, donc la partie téléphone, qui vous permet en fait de passer des appels directement depuis votre autoradio. Par exemple, là je compose un numéro, ça va composer sur mon téléphone. Vous n'avez pas besoin de toucher à votre téléphone, donc d'être en parfaite légalité au niveau de l'utilisation de votre téléphone en voiture. Évidemment, quand vous recevez un appel, c'est pareil, vous allez avoir un appel entrant. Vous avez juste à décrocher sur l'autoradio, vous voyez, d'une manière très très fluide, et vous pouvez raccrocher. Voilà, donc vous avez une synchronisation de votre journal d'appel, de vos contacts qui vont être faits, donc en train de se faire. Hein. Voilà, hop. Vous avez aussi évidemment sur le Bluetooth, vous avez la possibilité d'écouter votre musique, par exemple avec Spotify, vous pouvez lancer votre musique. Alors là, je vous montre juste l'exemple. Alors, vous n'avez pas besoin de toucher votre téléphone, vous voyez, il a repris la dernière musique, et vous pouvez directement changer les musiques, voilà, depuis l'écran de l'autoradio sans toucher à votre téléphone, hein. Toujours pour rester dans la bonne législation et ne pas avoir d'amende. Donc la partie streaming, vous avez évidemment de la reconnaissance vocale, donc vous pouvez lancer des applications directement via la reconnaissance vocale. Alors je vais faire le test et je vais vous montrer. Par exemple, ouvrir Google Maps. Évidemment, voilà, ouvrir Google Maps. Évidemment, hein, c'est, voilà. Donc là, par exemple, il a lancé une recherche Google sur Google Maps. Mais vous pouvez aussi lancer des applications, vous pouvez lancer la musique, vous pouvez demander d'appeler un contact directement sans avoir à toucher à l'écran, juste avec la voix. Donc par exemple, vous avez évidemment toutes les applications qui sont disponibles, Google Maps pour n'en citer qu'un. Comme je vous le disais, c'est une version Android, donc vous avez l'accès au Play Store. Vous pouvez télécharger n'importe quelle application qui se trouve sur le Play Store. Là, par exemple, on a téléchargé Spotify, on pourrait très bien télécharger un jeu qui est disponible sur l'Android. Donc je vous parlais de Spotify, vous pouvez, il y a deux méthodes, soit vous le lancez sur la partie streaming, mais vous pouvez aussi le lancer directement depuis l'autoradio et avoir votre compte Spotify directement sur l'autoradio. Vous avez une partie navigation, donc la navigation, une partie hors ligne, hein, qui permet de vraiment naviguer n'importe où, même sans connexion internet, juste avec la connexion du GPS. On fournit les produits qui sont à jour avec les cartes, hein, de la dernière mise à jour. Et voilà, donc dans tout ça, vous pouvez naviguer dans toute l'Europe, parce que là on est en France, mais vous avez aussi tous les pays, la Turquie, la République tchèque, tous les pays d'Europe à jour. Donc vous avez aussi par exemple la possibilité d'avoir YouTube, tout simplement, hein, et d'avoir directement vos vidéos YouTube directement lues sur l'autoradio. Voilà, vous pouvez regarder une vidéo, alors évidemment, quand vous êtes par exemple.
Donc toujours une, vous avez des touches, alors c'est pas que tactile, l'avantage c'est que des touches ici pour pouvoir revenir rapidement sur les menus. Vous voyez, donc en termes de fluidité, l'autoradio est très fluide, malgré qu'il y ait plusieurs applications d'ouvertes, l'autoradio est très fluide. Donc vous avez vraiment toute cette partie-là, vous pouvez même gérer votre agenda directement depuis, depuis l'autoradio. Vous avez un lecteur vidéo, donc vous pouvez lire des vidéos soit via le CD DVD, soit la clé USB, soit la carte mémoire. Tout le format de vidéo est pris en charge. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors non, je vais vous montrer un petit peu les paramètres, tout ce que vous pouvez régler. Donc il y a plusieurs réglages, hein, et vous avez donc la partie Wi-Fi, hein, donc comme je vous l'ai dit, il y a une antenne Wi-Fi, donc soit vous partagez la connexion de votre téléphone, soit vous pouvez brancher directement un dongle Wi-Fi. Vous avez toute la partie affichage où vous pouvez configurer le niveau de luminosité, le fond d'écran, la taille de la police. Vous avez toute la partie compte Google, etc. Donc comme sur un téléphone, la date et l'heure, évidemment. La partie Wi-Fi, la partie vidéo, voilà, vous pouvez régler s'il y a une caméra de recul, comment vous voulez que ça se comporte, s'il y a une caméra frontale, si voilà, vous pouvez brancher bien sûr des caméras frontales, de recul directement sur l'autoradio, voire même faire des enregistrements. Alors tous nos produits donc, sont garantis pendant un an, nous expédions nos produits en 48 heures depuis la France. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui permet de faire un tour d'ensemble d'un de nos produits, de vous montrer un petit peu le fonctionnement des produits, voilà, pour montrer aussi un petit peu tous les réglages que vous pouvez faire avec, hein. Vous avez sûr des égaliseurs sur le son et toutes les possibilités que peut vous offrir ce type de produit. Voilà, donc ils sont totalement compatibles avec votre véhicule, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune découpe à faire dans votre tableau de bord, ça reprend exactement la même forme, les connectiques sont exactement les mêmes, il n'y a pas de coupure dans les câbles, etc. Nous sommes là aussi pour vous aider lors de l'installation, donc par mail ou par téléphone, et on a créé aussi des procédures pour vous aider dans votre installation, et très prochainement, nous allons faire des vidéos sur plusieurs de nos installations, sur des Audi A3, des Audi TT, pour vous montrer concrètement comment l'installer dans votre véhicule, même si c'est très très simple. Voilà, bah je vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker notre vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.